cacher qu'on est favori. Maintenant, il ne va pas falloir faire de bêtises et le rallye va être long et compliqué. Il aura une grosse importance sur son choix de pneus, puisqu'on sera parti, on partira pour un tour de 4 spécial. Et il ne faudra pas non plus crever parce que voilà, peut-être prendre deux roues de secours, enfin on verra bien, mais il y a de la stratégie et ça va être un rallye, je pense, assez difficile. Un podium, ce serait bien, puisque l'année passée on a échoué au pied du podium, donc cette année ce serait bien de faire un podium et si tout va bien, ben, on pourrait peut-être espérer la plus haute marche du podium. Voilà un gros challenge avec cette Fiesta, un pilotage compliqué. Bah, c'est-à-dire que non, parce que pour l'instant je l'ai essayé sur du sec, donc je commence à me mettre dedans. Aujourd'hui ça va être une découverte parce que c'est mouillé bien sûr et bah, on va y aller doucement pour apprendre petit à petit en main. Quoi. Spécial difficile. Ouais, sur les techniques, hein, on les connaît, hein, c'est tordon, c'est haut du taux, c'est pas simple. Mais bon, tout le monde en est au même point et on va faire en sorte de conduire proprement surtout. Alain Vautier sur le podium. Bon Eric, comment ça va? La spéciale s'est bien passée, elle est difficile. On a rattrapé la Skoda devant nous. Ouais. Elle nous a bien laissé passer, c'est sympa. Okay. Et c'était. Moi j'aime bien ces spéciales là, mais c'est vrai que c'était délicat. Ouais, t'as lavé la pluie là au départ? On avait beaucoup de pluie au départ. Après la dernière partie, c'était humide et gras, c'était peut-être encore plus difficile que la pluie. Ah ouais, ok. Ouais, c'était très glissant. Wow. Bon, Michael, là il y avait toutes les conditions pour vivre une galère là. Hein. Ouais, hein? C'est très très dur. Ouais. Franchement, c'est très très dur parce que on est parti avec la pluie, j'avais pas forcément les bons choix de pneus. J'ai chopé un peu de buée sur le pare-brise. Après, la pluie s'est arrêtée, ça allait un peu mieux, c'est revenu. Il y a des traces de tout droit, à mon avis. Il y a des confrères qui sont partis à la faute. On est vraiment parti très très light. Et on a accéléré ou on commençait à avoir du grip. Ok, mais il y avait un concurrent entre ton frère et toi là, non? Ouais, ouais. Il est pas là? Non. Ouais, ok. C'est du vrai Vosgien, hein, ouais, avec la pluie et tout. Ça c'est de la spéciale. Encore ça c'est en bande, puis c'est presque un Dakar. Ah ouais. Non mais là de nuit et tout avec la ouais, pluie. Non c'est bien, ça fait longtemps que j'avais pas roulé de nuit, ça fait du bien de ouais. Se remettre dedans, non, c'est super sympa. Il y a une autre ambiance quand même. Ouais hein. C'est génial. Borja, pararos en el cruce, ¿vale? Oh Pepe, very difficult hein, condition. Yeah. On a crevé l'avant gauche, donc on a changé la roue, on a perdu beaucoup de temps. Bon William, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'en sais rien du tout, je prends pas les cordes, j'assure, je roule et à la vitesse où ça arrive, j'ai pas pu voir, mais j'en suis sûr et certain, il y avait un caillou
un caillou sur la route et oui. Ça j'en suis sûr. Donc du coup tu crèves? Ouais. C'était le cas, on a effleuré une petite pierre, on a crevé,
cette fois, c'était une faute de ma part. Et à 2 km de l'arrivée, du coup, on a essayé de limiter la casse. Après, j'étais plus dedans, ça allait pas. Et dans Corsieu, on s'est lâché et on a fini par un scratch. Et on avait dit avec Manon qu'on assurait sur le premier tour de ce matin. On est parti avec les bons pneus. Et je sais pas, peut-être que Olivier et Sébastien étaient moins réveillés que nous, mais on est bien remonté, on est passé deuxième. Alors bah oui, aujourd'hui c'est quand même un peu plus facile, enfin plus facile. C'était bien sympa aussi hier, mais comment on était déçus de la crevaison de la spéciale numéro 3. Aujourd'hui on est reparti de la première, c'est un rythme normal et on a aussi le rythme au fur et à mesure, on s'est bien amusé dans Châtas, Ormont et puis Corsieux, c'était juste royal. En tête de la classe N2, bon, je pense qu'on a pour l'instant fait le trou. On a une minute, un peu plus d'une minute d'avance sur Florian qui est deuxième. Donc pour l'instant on gère et puis bon, on va faire la dernière boucle et essayer d'arriver au bout. Hein. On va essayer de rester concentré jusqu'au bout et puis de croiser les doigts pour arriver à la fin de ce Vosgien et que cette première place elle tienne quoi. Kevin aussi, vous avez fait vraiment un week-end de solide. Hein. Oui, c'est vrai, on a adopté tout de suite un gros rythme en début de rallye. On a un peu tué le rallye dès hier soir. Aujourd'hui, on a bien roulé, on n'a pas voulu prendre de risques. Et puis voilà,
malheureusement, c'est vrai que nos adversaires étaient soit éloignés, soit avaient abandonné. Mais bon, c'est la course et l'essentiel, c'était de faire le plein de confiance pour la finale. Ouais. Alors, on a regardé 6 victoires et 6 voitures différentes. C'est assez exceptionnel quand même. Hein. Ouais, je suis content de d'offrir la petite victoire là pour ma petite 208. On a bien travaillé dessus et maintenant, la voiture fonctionne parfaitement bien et je me sens de plus en plus à l'aise et les temps s'en ressentent. Donc maintenant, tu es officiellement un favori pour la finale aussi. Hein. Ah, j'espère. Ouais, merci. Hi Pepe, congratulations. It's a very very perfect weekend, huh? Yeah, merci beaucoup. We find the rain, we're in the States. Yes. So it was very very difficult. Finally we are at the finish of the rally and we are very very happy to get this result on a rally that we didn't make the last year, so I think it's quite good for the team and for the championship. Patrick, t'as tout donné là dans la dernière? Ouais, franchement on a attaqué fort. C'est ce que j'ai vu, il se mettait à pleuvoir à des moments, mais on a attaqué, ouais. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais avec des onces. Okay. Bon Jérémy, t'as tout donné dans cette dernière là? Ouais, je pense que c'est difficile de faire beaucoup mieux. On a vraiment pris du plaisir en plus, c'était un super beau rallye. Après, on a fait une petite erreur stratégique avec les pneus. Ça va peut-être nous payer le podium, on verra pour les autres. Mais en tout cas, pas de regret. D'avoir joué avec les meilleurs ce week-end, c'était vraiment top. Ouais. Pouvoir jouer aussi avec le classement général, c'est sympa. Super, belle expérience. Merci. Bon Michael, ce week-end aura été particulièrement long, compliqué, ouais. Mais l'essentiel, voilà, il fallait être là. Bon. Exactement, et c'est un peu ça, ouais. C'est vrai qu'ici c'est très difficile, hein. Honnêtement, c'est un rallye, j'ai fait des rallyes difficiles, hein, mais celui-là était vraiment particulièrement compliqué, de par les conditions, voilà, il a plu, il ne pleut pas, on n'a pas les bons pneus, et ça continue, donc ouais. C'est horrible. Mais bon, on est au bout, je suis très heureux, on prend 28 points normalement, et puis voilà, et c'est bon pour le championnat, et maintenant... Ça va faire de la grosse fête à La Rochelle, hein. Ouais, c'est ça. Avec Jean-Charles, il restera encore à finir là-bas, hein, très important, mais dire bon... Faut mieux l'avoir d'avance marche. Que de retard. Bravo Mickaël. Bon, secrètement, il y avait quand même un petit objectif un peu mieux probablement. Évidemment, l'objectif était meilleur, ça c'est sûr, mais voilà, quand on voit que ça ne va pas, je pense qu'il ne faut pas non plus surpiloter parce que c'est comme ça qu'on sort. Et dans les conditions comme ça, je vais dire, on est content d'être à l'arrivée. Le week-end compliqué, mais là, c'est encourageant parce que dans la dernière, on fait juste 6 secondes de plus que ce matin. Et on vient d'avoir plein de flottes dans les 7 derniers kilomètres. Ok. Donc c'est pas mal. Disons qu'on termine sur une bonne note. On nous a dit qu'on a fait des beaux passages. J'ai fait des beaux passages, je me suis fait plaisir et c'est le principal. Ouais, victoire de classe apparemment, c'est long, génial. C'est génial, avec les misères qu'on a eues, on a fait 3 têtes à queue, on a mécaniqué et... Ah merci tout le monde, c'est génial. On a rattrapé 1 minute 20 en une journée, c'est tout simplement fou quoi. On a roulé comme des débiles là à l'arrivée. Là, c'est génial. C'est que du bonheur. Merci, merci, je remercie mon papa. Alors, le coup, bon, tu auras fait une belle remontée aujourd'hui. On n'a pas forcément encore le résultat final, mais bon, tu fais une belle remontée. Oui, je pense que c'est bon. Normalement, là, je crois qu'on fait le temps de groupe. On est en 26. On m'aurait dit ça ce matin, j'aurais jamais cru, j'étais pas parti pour aller le chercher du tout. Et de fil en aiguille, on s'est rapproché, donc on a dit on essaye de recoller. Et puis j'avais à cœur, hier soir en partant, je pensais que ce matin c'était cuit. Et je voulais dédier si on l'a, hein, sous réserve de pénalité ou j'en sais rien. Normalement on n'a rien fait, mais on sait jamais, un départ anticipé de trois conneries. Ouais. De réserver cette putain de victoire de gros Vosgien pour Mamat. On a pensé à lui. Ok, bravo en tout cas. Merci beaucoup pour ce week-end. Merci. Merci.